J'écris pour me faire un peu d'argent. Cela fait des années que j'entretiens ma famille. Je suis médecin aussi. C'est difficile de courir deux lièvres à la fois. Vous commettrez une faute grave si vous ne répondez pas à votre talent. Quand on parle de mes écrits, tout le monde ici me conseille gentiment de ne pas abandonner la médecine. Signé de votre nom, que diable ! Anton Tchekhov. C'est un bon nom. Souvorine envisage de faire éditer toutes mes nouvelles. Le beau, le grand Tchekhov. Le génie. Mon frère écrit, ne faut pas parler. J'étais amoureuse de vous avant de vous rencontrer. L'amour ne m'intéresse pas. Il vous enferme dans une idée fixe et brûle votre énergie. C'est un piège. Tolstoï veut te rencontrer. Il est question de te remettre le prix Pouchkine. Arrêtez le sexe, la viande, expiez vos péchés, priez Dieu et fouettez-vous le dos chaque fois que le désir vous étrangle. Si j'étais arrivé une heure plus tôt, je sauvais cet enfant. C'était effrayant, notre médecin. Vous écririez cette pièce si je vous la commande. Un drame réaliste qui peindrait notre société. Il faut rendre les souffrances comme elles s'expriment dans la vie. Avec une intonation simple, un regard. Pas de gestes, mais de la grâce. Mes personnages sont dans l'ennui de leur vie et la conscience de leur échec. Et tout à coup, un coup de feu en plein dans la gueule du spectateur. Ça ne vous plaît pas? J'adore. La santé n'a bon à rien. Le titre? Ma steppe. Souvenir de jeunesse, autour de la nature, tragédie de l'enfance, la solitude, l'immensité de l'avenir.